Tu veux qu'on peut même être sur un palais, là, sur la balance pour accueillir la fumée, même ici. Ah, c'est lié. Bon. Hein? Ça, c'est la clé ici. Oui. La fête. Oui. Bon, allez, tu mets le truc dessus. Est-ce que le planning là-bas, je propose qu'on mette plus devant, vu que c'est. Ça fait étagerie. Sac de bière, la fanfare, les machines, et les majorettes. Tiens, on peut te donner ça? Parce que c'est toujours gênant. On va aller descendre la clé. Comme tu préfères. On descend pas là. Oui. Attends, ici on va. Il y a personne là. Ouais. Ben, on va attendre que les autres suivent. Non, c'est là. Descendre plus bas pour c'est plus haut. C'est parce que nous on n'est pas assez haut que ça tombe. Ah oui, oui, mais on a réglé au maximum. Ah. Mais là, Attention, mais bon, je vais essayer de voir, parce que moi, je ne vois pas. Attends, avance. Je dois aller près des chaises, parce qu'il y en a. Eux ont travaillé comme des fous, donc merci de les applaudir chaleureusement.
qui reprend avec enthousiasme la charge des géants des Marolles, et à nos amis de Dinan d'être venus nous rejoindre, parce qu'il est très 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 beau votre géant. Hein. Il est vraiment magnifique. Merci à vous aussi, et on les applaudit aussi. Alors un baptême, c'est une bénédiction. Une bénédiction, c'est dire du bien. Donc moi, je vais dire tout le bien que je pense de tout, qui de cœur est le parrain du Centre culturel depuis l'ouverture. Donc en réalité, cette tête de géant, c'est Paul Van Kuyken qui est venu nous la déposer il y a quelques années, quand il a arrêté les activités des géants du Bismuth. Donc là, il a arrêté vers 2005. Il a déposé ça chez nous, à mon avis, autour de 2010. Il y avait une tête de toutes, une tête de Prolo des Marolles. On l'a laissé un peu de côté un certain temps, on ne savait pas très bien comment faire. On a eu quelques années difficiles parce que l'endroit où on mettait nos géants, où on les stockait, est tombé en faillite. Donc on est toujours pour le moment dans un état assez provisoire. Une partie sont stockées toujours grâce à au service de la ville à Arles. Une autre partie est dans le chantier qui ne va pas encore commencer tout de suite, mais qui commencera un jour. Donc on ne sait pas où on les mettra, nos autres géants. Donc en réalité, on a une quinzaine de géants dont on s'occupe, des géants de différents âges. Donc la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est vraiment qu'on est arrivé à rénover ce géant grâce à l'appui du Centre culturel Bruegel. Ici, on a décidé de demander à M. Jan Mikkels de dévoiler le géant, donc on va le revoir, parce que M. Jan Mikkels, qui vient de prendre sa pension, représente tout un service de la ville dont on a un soutien permanent depuis des années. Et alors, je vais demander à Christophe de bien montrer comment il faut tirer pour ne pas casser le géant. Parce que le dévoilage, c'est toujours qu'on n'en a pas tiré sur n'importe quelle ficelle, s'il vous plaît. Voilà. Attention. 1, 2, 3. Et voilà, il réapparaît. Donc, si vous allez sur le groupe Soutenons les géants des Marolles, vous verrez une photo de Paul et de toutes. Là, le vent est vraiment, là. La tête qui est là, c'est la tête de toutes, hein, sur cette photo. Donc, vraiment, à l'épaule, Paul a fait un beau travail de réalisme qui n'était pas tout à fait sa qualité principale en peinture. Mais voilà. Merci, M. Mikkels, pour cette belle dévoilement, ce beau dévoilement. Et quelle est la suite? Ah ben, la suite, c'est qu'on va les montrer partout, tellement on est fiers. On va aller faire un petit tour du vieux marché.